Salut les potos, je vous retrouve pour un after patch du glitch solo, duplication des véhicules. Donc c'est à peu près la même méthode, mais je vais vous montrer, si vous le faites pas en visée libre, ce que ça va donner. Donc vous serez pas invisible au niveau du braquage. Vous allez réussir la méthode, mais vous serez pas invisible. Et ça marchera pas. D'accord? Donc obligatoirement, vous allez vous mettre en visée libre. D'accord? Il vous faudra le camion avec le module 3, c'est un garage de fonction. Il vous faudra les activités Simeon, le braquage et surtout être en visée libre. D'accord? Comme ça, vous rejoindrez un ami en visée assistée. Donc, peu importe l'ami, vous n'êtes pas obligé de les prévenir. Après, si vous avez tous vos collègues qui font le glitch, ça va être chaud. Donc, vous prévenez un qui reste en visée assistée et vous pourrez le rejoindre comme tout à l'heure. Donc là, je vais dans le mode éditeur, vous voyez? Je vais dans les paramètres. Je vais changer mon mode de visée. Comme ça, vous aurez tout vu. Vous pouvez faire ça pareil en histoire avec option. Mais en mode éditeur, ça va plus vite. Donc vous mettez apparition au bunker. Hein, pour avoir l'apparition au bunker, il vous faut faut l'appartement à l'intérieur du bunker. Ça vous permettra d'enchaîner les duplications rapidement. Donc cette méthode, elle est bien parce qu'elle rate pas beaucoup de fois. D'accord? Une fois que vous aurez bien l'emplacement, vous allez enchaîner les duplications. Donc dans votre bunker aussi, il vous faut les petits caddies. Vous savez, les petits caddies de transport? Il vous faudra le caddie. Voilà. Une RH8 ou un Carino Rebelle à l'intérieur du camion. Tout ça, c'est les petites préparations qu'on a comme d'habitude. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je vais vous montrer la méthode. J'espère que vous allez en profiter. Vous allez vous abonner, les gars. Un petit message, ça fait toujours plaisir. On est déjà 2600, c'est énorme. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui leur manquent le camion ou une Digi Custom, faites le braquage. Vous avez la vidéo dans mon YouTube. Le braquage en illimité avec le défi élite. Il vous suffit d'être 4 potes avec vos préparations de fête. Qu'il y en ait deux qui les aient faites et c'est bon. Vous enchaînez toute la nuit, toute la journée. Allez, on se retrouve au bunker les gars. Donc il va vous falloir mettre ou les RH8, ou la RH8, pardon. Ou le Carine Rebelle que vous voulez dupliquer, il faudra le mettre dans le camion. Donc là, je suis en visée assistée, je vais pas préparer l'activité rapide, l'activité récente, ça marchera pas. Comme vous pouvez voir, vous mettez votre véhicule à l'intérieur. Ça, c'est réglé. Allez, ensuite, vous allez récupérer le casier et il faudra demander une activité à Simeon. Si vous ne l'avez pas, il vous faut la demander. Ah, je demande à l'activité. Donc une fois que vous avez l'activité, vous allez la préparer. Vous allez cliquer une fois dessus. D'accord? On va cliquer une fois dessus. Il va nous falloir descendre. Donc vous voyez comme je suis placé. Essayez de vous placer comme moi. Dès que je descends, donc je fais triangle X. Je spamme X. Ça m'a envoyé dans l'activité. Et là maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais spammer triangle en y allant vers le caddie. Hop. Et il faudra que la cinématique me montre que je suis en train de monter juste avant l'écran noir. D'accord? C'est là que vous avez réussi. Donc là, vous voyez, j'ai raté. On va recommencer. On prépare l'activité. Triangle. X. Spam X. On arrive dans l'activité, on fait rond, on la quitte. Dès qu'on l'a quitté, on spamme triangle en faisant la direction du caddie. Donc il faudra se rapprocher puisque vous êtes à l'envers, vous voyez. Hop. Là, vous voyez, on l'a vu bouger. C'est bon. Bim. Donc là, je vais rejoindre un ami qui est en vision assistée.
Je vais accepter le premier message et il va falloir refuser le deuxième message de la visée. Donc celui-là, je le refuse. Là, je suis en mode OTR, c'est nickel. J'ai plus qu'à lancer le braquage de Lester. Pour avoir le braquage de Lester, il va falloir un garage, un appartement avec le garage 10 places. Vous aurez une pièce de braquage. Et finir une préparation. Finir la première préparation. Comme ça, Lester vous envoie régulièrement le message pour le braquage. Donc là, j'ai lancé mon braquage. Je vais me retrouver dans la salle de braquage, en invisible. Nickel chrome. Le glitch est le plus dur est fait là. Le reste, c'est la finition. Allez, j'espère que vous allez lâcher un petit pouce, les gars. Vous allez en parler un peu à vos collègues. Partagez la vidéo. On a besoin de votre soutien pour être visible. Donc là, vous voyez, c'est pas comme avant. On n'est pas dans le tableau. Mais je suis invisible quand même. Donc là, maintenant, je vais aller dans un de mes garages. Rechercher le véhicule que je veux dupliquer. Donc, vous pourrez aller dans n'importe quel garage. Vous pouvez promener sur la map aussi. Parce que vous allez voir les joueurs. Eux, vous verront pas. Ni sur la carte, ni dans le jeu. Donc là, je vais chercher le véhicule que je veux. Donc là, si je veux, je peux aller promener. Je mets en PDG. Je lance mission remorquage. Et pendant 20-25 minutes, j'aurai pas de police. Donc il y aura que la police qui pourront vous tuer. Parce que eux, ils vous voient, ils vous tirent dessus. D'accord? Donc vous pouvez vous amuser aussi en OTR. Donc là, je choisis n'importe quel véhicule que je veux à dupliquer. Donc là, je vais prendre une Elegie. C'est celle qui rapporte le plus, hein. Donc moi, je vous conseille de dupliquer les voitures de chez Beniz. C'est celles qui rapporteront le plus à chaque fois. Donc au pire, dupliquez une fois vos originaux. Et après, vous faites les voitures Beniz pour faire de l'argent. D'accord? Si vous en vendez 20 à 950 000, celle-là, ça vous fait pas mal d'argent. Donc là, j'ai accéléré pour sortir. J'accélère plus maintenant, dehors. J'ai juste à appeler mon camion mobile. D'accord? Surtout n'accélérez pas dehors. Vous accélérez pour sortir du garage. Stop. Ensuite, vous ouvrez votre pavé tactile. D'accord? Votre menu. Vous appelez votre camion mobile une fois. Donc là, ça va vous faire apparaître ici. Et là, je vais refaire pareil. J'ouvre mon pavé tactile. Et je vais rappeler mon camion mobile la deuxième fois. Et je vais mettre cette voiture dans le camion. Et j'aurai ma duplication. D'accord? Ne faites pas le glitch avec ce véhicule à l'intérieur, vous allez le perdre. Voilà. Donc là, vous rentrez après une RH8. Tout d'abord, vous allez mettre apparition au bunker. Voilà. Une fois que je l'ai rentré dans le garage, là, je vais racheter une RH8 si vous n'en avez pas. Voilà. Et il faudra changer de session. Donc je répète, pour avoir l'apparition au bunker, il vous faut acheter l'appartement qui est dans le bunker. Donc là, le camion il s'est mis un peu loin. Ça, peu importe où il se mettra, le camion, vous y allez. Voilà, vous mettez le véhicule dans le camion et le tour est joué. Duplication faite, after patch, les photos. Bon, ben, gros big up à King Alex HD, c'est un anglais, donc c'est sur celui que j'ai vu cette vidéo. Gros big up à lui, il gère le poteau. Abonnez-vous les gars, je compte sur vous. Ciao, ciao, à bientôt. Zombie apocalypse.